Bonjour, Eric Gibault, ericgibault.com, et aujourd'hui je vais te parler, après presque 6 mois de propriété, si je peux dire comme ça, de cet appareil, le Hasselblad 907X avec le dos numérique CFV250C, les noms sont compliqués. Je vais te donner mon opinion. J'avais déjà fait un test de cet appareil, je te laisse le lien ici, mais on me l'avait prêté quelques jours, tandis que là, ça va faire pratiquement 6 mois que je l'ai. Donc je vais te donner mon avis, l'utilisation, les points positifs, les négatifs, et tout ça de la manière la plus sincère possible. Et là, j'ai vraiment eu le temps de l'utiliser à fond, donc voilà, je vais dire ce que je pense. Donc, n'oublions pas que mes vidéos sont sponsorisées par Arvia, écoledephotographie.com, qui permettent de te former à la photographie à distance, donc par Internet, mais je te raconterai tout ça en fin de vidéo. Simplement, 3 points si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin. Le premier, si jamais tu t'inscris à leur formation en indiquant que c'est de ma part, après un ou deux mois de formation, j'ai plus le temps de voir ton assiduité, tu reçois un super bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Deuxièmement, comme il y a la possibilité de te former avec un financement par CPF, compte personnel de formation, là il y a deux petits points. Le premier, c'est si tu vas partir à la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire. Par contre, tu peux faire la formation une fois à la retraite. Et troisième point, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est toujours pas appliquée. Donc, tant qu'elle n'est pas appliquée, tu pourras profiter d'un financement jusqu'à 100%. Une fois appliquée, sauf pour les demandeurs d'emploi, ça ne sera plus possible. Donc, inscris-toi au plus vite, même si tu fais la formation une fois la loi appliquée. Voilà, on parle de ça, c'est parti. Alors, tout d'abord, dire que je l'ai avec le grip qui permet d'avoir certaines options, en plus d'une bonne prise en main. J'ai l'objectif, le 45 mm P, qui est l'objectif le plus économique de Hasselblad. Donc ça serait la formule la moins onéreuse, disons, si tu utilisais qu'avec cet objectif. Évidemment, tu peux mettre d'autres objectifs. Okay, c'est un appareil qui a un look vraiment rétro, qui reprend l'aspect de la série 500, 200 de Hasselblad pellicule. Et qu'est-ce que je rajouterais? Eh bien que c'est l'appareil moyen format le plus petit du marché. C'est-à-dire que moyen format, ce n'est pas format moyen, sinon moyen format, c'est-à-dire que le plus grand qui a un full frame. Okay, donc, je vais te raconter un petit peu ce qui me plaît, ce qui ne me convient pas, pour que tu te fasses un petit peu une idée si c'est un appareil qui pourrait être pour toi. Alors, je parlerai aussi de l'objectif, le grip, les plus, les pour, les tout ça. Voilà. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu allais acheter du matos photo vidéo chez Digitphoto, eh bien, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Gibault et ça me file une petite aide. Alors, c'est complètement compatible avec le code promo. Si tu as un code promo parce qu'ils sont en train de faire une promo, ils en font souvent. En général, je communique d'ailleurs sur ma communauté YouTube ou sur mes réseaux sociaux. Et eh bien, où tu avais acheté quelque chose, ils t'ont filé un code promo, tu peux l'utiliser dans la case code promo. Pour m'aider, c'est la case code créateur, tu marques Gibault et ça fait un coup de main. Je te remercie, continuons. Alors, le premier point, je dirais, ce qui me plaît, c'est la taille. Alors, avec le grip, la prise en main est assez agréable. C'est vraiment pas très grand, c'est vraiment pas mal. Le fait que tu puisses retirer le dos et le poser sur un Hasselblad argentique, ça me semble vraiment un gros plus. Je l'utilise de temps en temps, mais principalement, je l'utilise comme ça. C'est vraiment une prise en main qui est très agréable. Et ce qui me plaît énormément, ce qui est un point positif et négatif en même temps, on va voir, c'est que l'écran, il est orientable même à 90 degrés. Donc, tu peux faire une visée ceinture comme sur un Hasselblad sans prisme. Et donc, ça, c'est un gros avantage. L'inconvénient, c'est que quand il y a beaucoup de lumière, il y a du reflet. Donc, ça peut être un petit peu dur de voir sur l'écran. Il existe un viseur optionnel, mais qui ne couvre pas toutes les focales. Okay, donc, c'est vraiment minimaliste. Donc, dans un sens, c'est chouette. Et dans l'autre, ça peut être un problème. Si tu es en extérieur comme maintenant, bien voir sur l'écran, ce n'est pas forcément évident. Par contre, en intérieur ou s'il n'y a pas trop de luminosité, ce n'est vraiment pas un problème. Voilà. Le fait que ça soit minimaliste aide vraiment à te concentrer sur la photo. Alors, il y a très peu de boutons au niveau du menu. Le menu sur les écrans, l'écran est complètement tactile. Ici, d'un côté, tu as l'accès à la batterie et aux cartes. C'est vraiment très minimaliste, pour ne pas dire simpliste, disons. Mais cette prise en main, cette manière d'utiliser est vraiment très très classique pour quelqu'un qui a eu un Hasselblad ou qui a un Hasselblad argentique. Et moi, c'est quelque chose que j'adore. Mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire que cet aspect, ce look rétro que j'adore, ne plaît pas forcément à tout le monde. Là, c'est assez subjectif. Moi, j'adore. Il y en a qui n'aiment pas forcément. Voilà. Et la prise en main, il y en a qui vont adorer et d'autres qui ne vont pas aimer forcément. Voilà. Mais disons que cette base te permet vraiment d'avoir des sensations vraiment différentes. Voilà, vraiment spéciales.
Alors, il y a un point qui est positif et négatif. Le point positif, c'est que c'est un obturateur central. Donc, l'obturateur est dans l'objectif, ce qui permet de synchroniser le flash à absolument toutes les vitesses. Donc, ce qui est fantastique quand tu fais de la photo en extérieur et tu veux couper la lumière ambiante, tu peux monter ta vitesse et tu n'as pas de problème de synchronisation. Inconvénient, premièrement positif, c'est que cet objectif, par exemple, je parle de l'objectif et non pas du boîtier, puisque l'obturateur est dans l'objectif, ça va jusqu'à 1/2 millième de seconde. Beaucoup d'appareils, c'est 1/8 millième, là ça serait 1/2 millième. Il y a le 90 mm 2.5 qui permet jusqu'à 1/4 millième de seconde, qui n'est pas encore disponible. Donc à ce niveau-là, celui qui fait de la photo, du portrait en extérieur, qui veut synchroniser le flash à haute vitesse, c'est vraiment fantastique. Mais inconvénient, il n'y a nulle part où mettre un déclencheur. Alors, il y a l'option de mettre un bout de velcro et le déclencheur dessus. Il y a des gens qui ont fait des petits bricolages là où irait le viseur optionnel. Eh bien, ils ont mis en 3D, ils ont imprimé un support pour le déclencheur. Mais je pense que ça aurait été bien qu'il y ait quelque chose d'optionnel pour accrocher le déclencheur quelque part. Et ça, c'est pas prévu. Et à mon avis, c'est dommage parce que je pense que cet appareil, si on aime ce format, la position ceinture et tout ça, ça serait super qu'ils aient prévu de pouvoir une griffe flash, pas forcément pour mettre un flash dessus, mais au moins un déclencheur. Voilà, donc ça serait le point positif, c'est la synchronisation à toutes les vitesses. Le négatif, c'est qu'ils n'ont pas pensé où mettre un déclencheur. Voilà. Alors, quand quelqu'un voit ce genre d'appareil, la première réaction qu'il a en général, c'est de dire bon, avec ce genre d'appareil, c'est impossible de louper une photo. Parce que beaucoup de gens pensent qu'un appareil cher, c'est vraiment un tank qui va donner aucun problème, qui a posé aucun problème et ça va toujours marcher à fond. Eh bien, mauvaise nouvelle. Avec cet appareil, il est extrêmement facile de rater des photos pour deux raisons. La première, c'est l'exposition. Les informations d'exposition, comme les avis de haute lumière ou l'histogramme, tu l'as une fois que tu as fait la photo et non pas avant d'avoir fait la photo comme tous les appareils mirrorless. Alors que cet appareil, c'est un mirrorless en fait. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que tu apprennes à exposer, à regarder bien tes mesures et tout ça. Et sur ton écran, tu n'as pas la sécurité que tu as sur d'autres appareils mirrorless. Et c'est un peu dommage parce que quelquefois, tu pourrais savoir avant s'il va y avoir un problème et tu ne le sais pas avant, tu le sais après avoir fait la photo. Donc, il faut quand même savoir bien exposer, même avec cet outil. Deuxième raison qui peut faire que tu peux louper des photos assez facilement, c'est l'autofocus. C'est un autofocus par contraste qui n'est pas bien terrible. Dès que la lumière baisse, ça patine pas mal. Si c'est des lumières comme des couleurs unies, je veux dire, ou des tons unis comme le ciel par exemple, ça patine énormément. Alors évidemment, tu peux faire une mise au point manuelle ou avec focus picking, mais l'autofocus est très lent. Il n'est pas en continu, il est single, c'est-à-dire que mise au point et tu fais ta photo. Donc, celui qui fait de la photo, par exemple, je ne parle même pas de photo d'action, mais tu fais de la photo de mode et la personne bouge pas mal, ça peut être un problème. Alors, évidemment, en paysage ou en portrait, ce n'est pas du tout un problème. Mais sache que si ton idée, c'est faire de la photo avec des gens qui bougent pas mal, ça risque d'être assez costaud. Donc, il n'est pas du tout évident de ne pas louper une photo. Ce n'est pas parce que c'est un superbe appareil avec un tarif élevé que tu ne vas pas louper de photo. Il faut quand même savoir exposer et vraiment, il faut faire bien gaffe à la mise au point. Alors, un autre truc qui est complètement nul, c'est j'ai des possibilités d'aide à la mise, au cadrage et tout ça, puisque je peux avoir le grid, c'est-à-dire la grille qui m'indique entière et tout ça. Je peux avoir la distance, ça va m'indiquer à quelle distance est faite ma mise au point. Si je suis en manuel, ça peut être utile en mise au point manuel. Je peux avoir un niveau pour me dire si c'est horizontal ou vertical, ou je peux avoir l'écran complètement propre sans rien. Mais je ne peux pas tout avoir. C'est-à-dire, pourquoi, monsieur Hasselblad, je ne peux pas avoir en même temps la grille qui m'indique ma composition et aussi le niveau à bulle, par exemple, et aussi la distance de mise au point. C'est absurde, ça n'a aucun sens. Je dois choisir ce que je veux, mais je ne peux pas avoir les trois, ce qui me semble complètement absurde. Voilà. Alors, un autre point qu'il faut prendre en compte, cet appareil n'est pas tropicalisé. Donc, si tu voulais cet appareil pour faire de la photo au bord de la mer, là, juste au bord, plus près, avec du vent, de la poussière, de la pluie, du vent, tout ça, oublie. C'est pas l'appareil qu'il faut. Donc, ça, c'est important de ne pas l'oublier, parce que si tu t'imaginais que tu allais faire de super paysages sous la flotte, ben, faut prévoir quelque chose pour couvrir l'appareil. Ça, c'est clair. Autre chose qui est négative, la batterie a une durée qui est vraiment très courte à mon goût. Je trouve ça vraiment trop peu. Ce qui t'oblige à avoir une deuxième batterie, ce sont des batteries qui sont chères.
Et au fait, le chargeur n'est pas inclus. C'est un chargeur optionnel. Alors évidemment, tu peux charger par USB sur l'appareil, mais si tu veux un chargeur séparé, eh ben non, il faudra payer en plus, comme c'est la mode pour tous. Mais là, dans ces tarifs, c'est un peu dommage quand même. Donc, n'oublie pas ça. Si ton idée, c'est situation poussiéreuse, humide et tout ça, c'est pas l'appareil qu'il faut choisir. Ça, c'est important. Alors, cette poignée est vraiment très, très bien. Ça aide vraiment à la stabilité parce que ce boîtier n'est pas stabilisé. Donc, tu vas le tenir à deux mains et ça, ça aide vraiment. Un plus qu'il y a sur ce grip, c'est que là, tu as un joystick pour déplacer le point d'autofocus ou de mise au point, que ce soit manuel ou pas, mais tu peux déplacer le point. Parce que là, normalement, sinon, si tu ne l'avais pas, tu ferais en bougeant sur l'écran. Tu n'as pas un joystick, tu n'as rien. Tu déplaces ton doigt sur l'écran, tu vas déplacer le point de mise au point. Donc, le fait que ça soit là, c'est très bien. Après, tu as un raccourci menu, un bouton pour passer à mise au point manuel ou autofocus. Il y a un bouton qui est configurable, tu as le play, tu as l'accès menu et tout ça. Et là, tu as une molette pour la vitesse et une pour le diaphragme. Alors, un truc que je ne comprends pas, moi, j'aime bien avoir le diaphragme derrière sur tous les appareils et devant la vitesse. Eh bien là, j'ai le diaphragme qui est sur l'avant et la vitesse qui est sur l'arrière. Et par le menu, je ne peux pas les inverser. Donc ça, je trouve ça stupide. Alors moi, je pense que, sauf si tu fais que de la photo sur trépied, d'ailleurs, j'ai la petite plaquette du trépied qui est là, eh bien, je pense que ce grip est vraiment utile. Alors, il est utile surtout si tu fais de la photo comme ça, de face. Par contre, si tu vas faire au niveau de la ceinture, vu la forme qu'il a, eh bien, tu vas finir par, quand tu fais de la photo comme ça, tu vas faire avec l'index. Et quand tu fais au niveau de la ceinture, tu vas déclencher avec le pouce. Voilà, c'est un peu bizarre, mais ce que serait bien, c'est que ce grip soit inclinable. Je pense que ça aurait été une bonne idée et ça aurait fait son utilisation plus pratique. Voilà, mais le fait qu'on ne puisse pas reprogrammer où est le diaphragme et où la vitesse, je ne comprends pas. C'est inadmissible. Un autre point où il faut faire très attention, le dos numérique est posé sur ce petit boîtier, si on peut dire, qui est tout fin ici. Le 907, c'est ça en fait, c'est tout ça. Et ça, c'est le dos numérique. C'est un petit bouton que, comme les dos à pellicule sur les Hasselblad argentiques, tu bouges le bouton et tu peux tirer le dos. Donc, il faut faire très attention parce qu'il y a des gens qui, en sortant l'appareil de leur sac, n'ont pas fait attention, ils ont bougé le bouton et tu as le dos numérique qui est tombé par terre. D'ailleurs, il y a des gens qui mettent une cage optionnelle de marque tiers qu'ils mettent pour tout, que ça puisse pas arriver. Mais il faut faire gaffe parce que si c'est vrai, c'est un peu léger comme sécurité quand on parle d'un truc de ce tarif qui peut tomber par terre. Voilà, donc attention, attention. Alors, tu pourrais dire, mais alors je comprends pas Eric, tu dis les points négatifs, il y a des trucs qui sont vraiment embêtants. Je vois pas l'intérêt de cet appareil. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te séduit? Qu'est-ce soit. Alors, il y a un truc qui est vraiment indiscutable, c'est la qualité d'image. Alors, quand on parle qualité d'image, souvent on parle des couleurs. Il y a des gens qui disent ben, « moi j'aime bien les couleurs Fuji », d'autres qui disent « j'aime bien les couleurs Leica », d'autres les couleurs Canon et tout ça. Eh bien, chez Hasselblad, il n'y a pas des couleurs Hasselblad. Chez Hasselblad, il y a les couleurs que tu vois. Et moi, c'est ce que je demande. Je ne demande pas une interprétation de ce que je vois. Moi, je veux les couleurs exactes. Après, je pourrais toujours saturer les couleurs si je veux, les éclaircir, les foncer, les ceci, les cela, les désaturer. Donc moi, je pars de la réalité. Et Hasselblad est vraiment très loin devant les autres à ce niveau-là. Ce n'est pas du sRGB, ce n'est pas du Adobe RGB, hein, c'est du Hasselblad. Donc, ça te permet d'avoir des couleurs exactes qu'ensuite, tu pourras travailler comme tu veux. Bon, au moins, tu sais d'où tu pars. Normalement, tu peux développer tes RAW sur Lightroom sans problème. Sur Capture One, ce n'est pas possible parce que Capture One, ça appartient à Phase One qui fabrique des moyens formats, donc qui est la concurrence de Hasselblad. Donc là, il n'y a pas de compatibilité. Mais de toute façon, je te recommande d'utiliser le propre programme de Hasselblad qui s'appelle Focus, qui te permet de vraiment travailler à fond ton fichier RAW. Et d'ailleurs, il récupère un stop de mieux que sur Lightroom les hautes lumières et plusieurs stops sur les ombres. Ce qui est impressionnant, c'est la récupération des ombres. C'est vraiment bluffant, sans bruit, c'est vraiment exceptionnel. La qualité d'image des Hasselblad est vraiment un truc que j'avais du mal à croire. Et je suis vraiment bluffé. Alors évidemment, si l'idée des photos, c'est les publier sur les réseaux sociaux, ça fait peut-être beaucoup d'argent pour ça, mais on voit quand même la différence. D'ailleurs, je vois les commentaires de certaines personnes, on voit quand même la différence, tu vois. Mais la qualité d'image est vraiment impressionnante. Alors, si jamais ce format d'appareil ne te convient pas, la forme et tout ça, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi son frère, le X1D Mark II, qui fait 50 millions de pixels, qui est le même capteur que sur les GFX 50R, 50S, 50S2. Simplement, là, il est utilisé en 16 bits et sur les GFX, il est utilisé en 14 bits.
Et sinon, tu as au-dessus le X2D qui est 100 millions de pixels, qui travaille en 16 bits, de même que le Fujifilm GFX100S2, ou je sais plus comment il s'appelle, qui lui travaille aussi en 16 bits. Okay, donc, si tu aimes les couleurs et tout ça, mais tu n'aimes pas ce format ou tu veux que la prise en main soit différente et tout ça, eh bien, il y a d'autres options chez Hasselblad. Voilà. Mais les couleurs et la qualité d'image est vraiment bluffante. Alors, parlons un petit peu de cet objectif. Cet objectif, c'est un 45 mm P. Il existe un autre 45 mm chez Hasselblad qui ouvre à 3.5. Celui-là, il ouvre à f4. Alors, c'est l'objectif le moins cher. C'est un cadeau. Il coûte environ 1100 euros, ou 1200 euros. C'est vraiment cadeau parce que la qualité est exceptionnelle. C'est le meilleur objectif que j'ai vu de ma vie. Alors, à cela, tu as d'autres objectifs. Certains, soi-disant, sont encore meilleurs, donc bah, c'est fantastique. Mais cet objectif est vraiment impressionnant. De bord à bord, de coin à coin, il est complètement net, même à pleine ouverture. Alors, il y en a qui disent « Oh, mais f4, c'est pas très lumineux. » Mais il faut comprendre que sur ce moyen format, la profondeur de champ est vraiment courte. Même souvent, à f4, tu es obligé de fermer parce que c'est vraiment trop court. Alors, ils ont certains qui sont à 2.8 et ils ont un f2, il me semble, je suis même pas sûr. Ou ils ont un 1.9, il me semble. C'est vraiment des profondeurs de champ extrêmement courtes. Mais pour ce que je fais avec, c'est vraiment super. La qualité est incroyable. À mon avis, c'est un objectif qui n'est pas cher parce que c'est leur manière d'attirer la clientèle sur le système. Mais c'est un objectif qui est vraiment superlatif. Alors moi, j'aimerais bien avoir un autre objectif. Ça serait un 90 mm pour la partie portrait peut-être. Qui serait l'équivalent d'un 67 mm, donc je verrai. Mais déjà avec ça, donc 45 mm sur un moyen format de cette taille de capteur, c'est l'équivalent d'un 36 mm sur du full frame, et déjà tu peux faire des trucs fantastiques avec. Alors, petit inconvénient, c'est qu'ils n'ont pas de pare-soleil prévu pour cet objectif. Alors, tu pourras en acheter un en gomme, en plastique que tu mets dessus, mais ils n'ont pas prévu, mais je n'ai pas non plus de problème optique avec. Donc, c'est vraiment un objectif incontournable. Si tu passes sur du Hasselblad, c'est vraiment l'objectif à avoir, même si tu en avais d'autres, parce que sa relation, son rapport, pardon, qualité, prix, taille, poids est exceptionnel. Alors, conclusion. Eh bien, en fait, la conclusion, est-ce que je suis content de cet appareil après 6 mois d'utilisation? Ben, sincèrement, j'en suis ravi. Alors, pourquoi j'en suis ravi? Parce que ça me permet de faire des photos d'une autre manière. Je pense plus, je prends mon temps. Le fait que l'autofocus soit pas terrible, je pense mieux, que les aides à l'exposition soient pas vraiment là, donc ben, ça me permet de mieux réfléchir mon exposition, mieux penser ma photo, c'est un autre rythme. Alors c'est vrai, si je devais faire des photos à toute vitesse avec ça, ben, je serais peut-être stressé, parce que c'est pas vraiment l'outil pour ça. Mais quand je fais des photos avec ça, du style tranquille, penser ma photo et tout ça, je trouve que c'est un outil qui est extraordinaire. D'ailleurs, c'est un outil que je recommande complètement aux portraitistes, qui aiment avoir un contact visuel avec avec la personne à qui ils font une photo, puisque tu peux le descendre un peu ou carrément au niveau ceinture ou un peu et continuer avec ton contact visuel. Alors c'est vrai, tu pourrais le faire avec un autre appareil en tournant l'écran, ça serait possible aussi. Mais cette sensation, cette qualité d'image que tu obtiens, cette communication, cette manière d'utiliser l'appareil est vraiment, vraiment, vraiment spéciale et c'est quelque chose que j'adore. Et donc, je n'ai vraiment aucun regret d'avoir acheté cet appareil. J'aurais aimé l'utiliser plus, monter le dos numérique sur mon appareil argentique, mais pour des questions de temps, d'organisation et tout ça, j'ai pas fait autant que j'aurais aimé, mais je le ferai. Mais je pense que c'est vraiment un appareil qui est complètement recommandable et qui donne des sensations vraiment différentes. Alors attention, c'est pas un appareil pour monsieur tout le monde, et je parle même pas du tarif, hein, je parle les sensations, la manière de tenir cet appareil, c'est une autre manière. Mais ceux qui regrettent l'époque argentique, la manière de penser ta photo et tout ça, je pense que c'est un appareil qu'ils adoreraient et que ceux qui peuvent se le permettre, ben moi je recommande les yeux fermés de prendre un appareil comme ça parce que c'est vraiment une autre histoire, une autre sensation, un truc exceptionnel. Donc je ne regrette absolument pas mon achat. Je regrette que Hasselblad n'améliore pas les points négatifs que j'ai donnés parce que je pense que ça ne doit pas être très compliqué à améliorer. Ce que j'expliquais, voilà, tu peux démarrer au début, mais je pense que même comme il est comme ça, je trouve que c'est un appareil qui est vraiment fantastique et complètement recommandable si tu as bien compris ce que les possibilités que ça offre et les avantages et les inconvénients. Donc voilà, eh bien j'espère que ma vidéo t'a plu, mais n'oublions pas, merci de l'avoir vu, mais n'oublions pas de dire merci à Arvia qui sponsorise mes vidéos en français, écoledephotographie.com. Donc ça te permet de te former à distance à la photographie. Alors ils ont plusieurs types de formations, 4 je crois, qui va depuis amateur averti jusqu'à pro avec un bac pro.
Les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant ce que tu choisis. Tu vas passer 10-12 heures par semaine, certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de ton niveau de connaissance, l'avancement du cours et tout ça. Et ce n'est pas que la théorie, bien que ce soit par internet, c'est aussi de la pratique. Les exercices, tu dois les monter sur la plateforme. Tu as des professeurs diplômés en photographie qui vont te les corriger, qui vont dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et tout ça. Tu as un rendez-vous chaque semaine avec ton prof qui corrige tout ça, qui te conseille. Alors, c'est un rendez-vous pas physique, mais virtuel évidemment, puisque c'est à distance. Et ça va vraiment t'aider à t'améliorer. Alors, les gens qui ont fait le cours, qui ont commenté, certains sont en train de le faire, donc l'ont fini, ils ont tous l'air ravis. À mon avis, ce n'est pas un hasard qu'il y a une note sur les formations par CPF. C'est l'école la mieux cotée en France, l'école de photographie. Donc, à mon avis, ce n'est pas un hasard. Donc, si jamais tu voulais te former, je te conseille de les contacter par téléphone parce qu'ils te répondent tout de suite à tes questions. Mais je laisse quand même en description le lien vers leur site web et aussi vers leur email. Tiens, en fait, je mets aussi le lien vers leur forum photo qui est gratuit. Tu peux participer gratuitement sur leur forum photo qui est en français. Et donc, contacte-les de ma part parce que si tu t'inscris de ma part, après un mois ou deux mois, je ne sais plus, suivant ton assiduité, pour vérifier l'assiduité évidemment, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo en appui pédagogique et deux autres points importants. Le premier, avant les points, comment peux-tu financer une formation ? Ben, de ta poche, hein, ce qu'on appelle l'autofinancement. Deuxièmement, ben, peut-être que Pôle emploi peut te financer suivant ta situation. Et après, il y a le CPF, compte personnel de formation. Chaque année travaillée, tu as un petit pécule qui s'accumule et après, tu peux le dépenser pour la formation. Pas que la photo, hein, tout type de formation et le loisir aussi. Donc, si jamais tu voulais te financer par CPF, important. Premièrement, si tu vas partir à la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite. Une fois la retraite, tu ne peux plus t'inscrire par CPF, donc tu perdrais ton pécule accumulé. Par contre, tu peux faire la formation une fois la retraite. Donc, n'oublie pas, inscris-toi avant de partir. Deuxièmement, la loi sur le CPF a changé. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore appliquée, mais quand elle sera appliquée, sauf pour les demandeurs d'emploi, il n'y aura plus de possibilité de financement à 100%. Il faudra que tu mettes une partie de ta poche, que ce soit en photographie ou n'importe quelle formation. Donc, inscris-toi au plus vite, parce que ce qui compte, c'est la date d'inscription. Même si tu fais la formation, une fois que la loi sera appliquée, si elle l'est, parce que ce n'est pas encore sûr qu'elle soit appliquée, mais la loi a été votée. Donc, important, inscris-toi au plus vite. Et bien voilà, je crois que j'ai fait le tour pour Arvia, écoledephotographie.com. N'oublie pas de les contacter de ma part et de s'inscrire de ma part. Si tu t'inscris, le faire de ma part. Et n'oublie pas aussi leur forum photo, forumphoto.com, où tu as plein d'informations photo. C'est assez récent, il n'y a pas encore beaucoup de trucs dessus, mais je t'invite à y participer, poser tes questions, partager tes connaissances. Voilà. Donc, merci Arvia, merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web, erigevous.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo, erigevous.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je laisse aussi des liens de mon matos sur Digit Photo. Alors n'oublie pas, si tu achètes chez eux, là, ça serait vraiment sympa. Là où ça marque code créateur, tu marques Jibo, ça me fait une petite aide. Tu peux aussi mettre un code promo si tu en avais un, mais là tu le mets dans la case promo. Et à part ça, ben, je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et le Flash Westcott. Aussi des liens, d'autres liens de produits affiliés, d'autres liens affiliés de produits que j'ai présentés. Hein. Et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!